Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Jeux Blancs, votre émission, votre rendez-vous biathlon, et non pas cheveux blancs, sinon on parlerait de mes cheveux, ça n'a rien à voir. Je suis avec Ben P ce soir. Ben P ne rigole pas trop quand même. Non. Non, on ne rigole pas mes blagues. Comment vas-tu, Ben P? Ça va, très bien. On est un peu fatigué. On est un peu. Forcément, fatigué. Vous le savez, hier c'était l'anniversaire de Marie qu'on a copieusement fêté. Je ne sais pas dans quel état on va notamment retrouver les deux compères là, Benoît et Julien. On verra ça dans son filet, ce sera après. Jeux blancs. Ils sont aussi déchaînés qu'hier. Tu sais qu'au moment où je suis parti, je les ai retrouvés dans un bar en train de faire la Java sur des chansons des années 80. Là. Ils étaient déchaînés hier soir. J'espère que vous allez bien, vous, dans le chat en tout cas, que vous aimez le biathlon. C'est mieux quand vous êtes dans Jeux blancs. Aujourd'hui, on va parler des championnats du monde hein, qui se déroulent en ce moment même du côté d'Antols en Italie. Il y a déjà eu deux épreuves de disputées, deux épreuves dans lesquelles les Français sont complètement passés à côté. On va revenir là-dessus. On aura Robin Duvillard, médaillé à Sochi en 2014, au téléphone avec nous. Il nous apportera son regard. Hein. Lui, il est le spécialiste des sports d'hiver. Hein. C'est un fondeur professionnel, mais il s'intéresse... forcément au biathlon également. Il est actuellement au Canada, il sera avec nous dans un petit quart d'heure et puis on vous donnera les cotes à tenter pour ce week-end. Hein. Il y a plusieurs épreuves à venir forcément durant ces mondiaux et les plus grosses cotes qui sont rentrées parce qu'il y a eu des cotes, il y avait des cotes à tenter, des très belles cotes notamment, je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure, il y aura également une cote boostée à prendre et une promotion à laquelle participer. Ça, vous pouvez déjà... voilà, c'est la Mastart. Hein. C'est jusqu'au 23 février et fin des mondiaux. Vous pouvez récupérer jusqu'à 50 euros grâce à cette promotion. Le principe, BNP, tout simple. Hein. Ouais, tout simple. Il suffit de parier sur les épreuves des championnats du monde. Et ensuite, en fonction du nombre de points que vous allez récolter, y a des récompenses. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros si vous obtenez 50 points ou plus. Il faut juste que la mise se termine par 0,20 pour que c'est le plus important. Soit bien pris en compte. Et tout le monde peut gagner 50 euros. Il n'y a pas de. Exactement, voilà. C'est un challenge. Il n'y a pas de compétition entre les parieurs. Ouais. Effectivement. Donc jusqu'à 50 euros, allez chercher. Il y a un barème. On peut récupérer 10 euros, 20 euros. Et ainsi de suite, jusqu'à 50 euros maximum en pariant sur le biathlon. Voilà, ça va faire quelques heureux parce que je sais que vous êtes nombreux à parier sur le biathlon. C'est un sport qui est. Ouais. Cet après-midi. Notamment en live. Notamment en live. Et je pense que ce week-end. Forcément, avec l'engouement autour de Martin, de Johannes et tout, ça va faire des mises. Eh bien, effectivement, on en parlait tout à l'heure de ce duel entre Johannes Bö et Martin Fourcade. Avant cela, on va parler des épreuves qui ont déjà eu lieu. C'est le moment en piste. Et on va commencer par le sprint femme qui s'est déroulé cet après-midi et ça s'est terminé aux alentours de 16h. On voit les résultats. C'est la Norvégienne, hein, Marte Røiseland, qui l'a emporté devant Suzanne Dunkley et Lucie Chervatova. C'est beaucoup de surprises, effectivement, dues aux conditions. On va parler de ces conditions météo hein, qui étaient assez difficiles pour les biathlètes, effectivement, notamment pour les Françaises qui sont complètement passées à côté. Hein. Célia Aymonier, hein, meilleure performance française, c'est un peu 15e place. Seulement Anaïs Bescon, 20e, Justine Breza, 32e, Julia Simon, 41e. Alors là, c'est atroce pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Françaises? Comme on l'a dit, déjà, les conditions étaient pas simples. On a notamment eu aussi chez les favorites, on en parlera, mais Thierry Lecoff qui a tiré, je crois, à 4 sur 10. On attendait un duel, hein, justement, entre Thierry Lecoff, notamment, et Marte Røiseland, et puis les locales, hein, à savoir Dorota Virer et Lisa Petit. D'habitude, sur le sprint, comme le nom l'indique, il faut vraiment aller vite. Mais là, aujourd'hui, il fallait surtout bien tirer. Et Holzbou l'a réussi, et les Françaises, que ce soit sur le relais, on en parlera plus tard, et aujourd'hui, elles ne tirent pas bien du tout, alors qu'elles vont très vite à ski. Justine Breza a fini 3e temps de ski. C'est décevant, c'est frustrant de faire 3e temps au ski, et puis derrière de louper plusieurs tirs. C'est hyper frustrant, surtout que ça arrive dès le tir couché, donc elle se tire une balle... sans jeu de mots, mais dès le début de la course. Donc c'est uniquement ça qui pêche. Et pour le coup, ça allait depuis le début de saison. Il y avait des bonnes performances régulièrement. Là, ça commence pas bien, quoi. Effectivement, on a vu notamment leur entraîneur qui était assez agacé par les performances de ces Françaises. On va rappeler, hein, Célia Aymonier, 15e seulement du sprint, Anaïs Bescon, 20e, Justine Breza, 32e, Julia Simon, 41e. Les conditions, on va en parler, elles étaient les mêmes pour les Françaises et pour les autres. C'est dans la tête que ça ne va pas? Sûrement un peu. Je pense que Justine Breza, elle a toujours été un peu fragile mentalement. Julia Simon,
ça avait l'air d'être un peu moins le cas. Mais là, enfin, déjà, quand on voit sa prestation hier lors du relais où elle a fait, enfin, elle a complètement plombé le relais français, elle n'était sûrement pas remise de cet échec-là et elle a encore échoué, quoi. Donc, je pense que c'est mental parce que les jambes ont l'air d'être là. Justine Brezza disait qu'elle était arrivée fraîche sur le pas de tir, donc bon, a priori. C'est juste un problème au tir et on verra si elle rectifie le tir. C'est le cas de le dire, effectivement. Des Françaises qui se loupent. Beaucoup de surprises. Au final, hein, on l'a vu, ce podium, effectivement, Marthe Roseland était attendue. On va commencer par elle, peut-être. C'est la Norvégienne hein, qui l'emporte. Elle avait fait l'impasse, justement, sur plusieurs épreuves de la Coupe du Monde pour se concentrer hein, sur ces mondiaux à Antols. Elle récolte les fruits, tout simplement. Là. Ouais, elle va très vite sur les skis, même si y a Herman qui est toujours au-dessus sur ce point-là. Mais surtout, elle a été régulière au tir, alors que, comme on l'a dit, Ekhoff, qui était favorite, je crois qu'elle était à 4, Ekhoff. Qui s'est complètement manqué hein, était à 8, aujourd'hui. Elle s'est complètement manqué, vraiment. Elle a fait 4 fautes sur le tir couché. Donc bon, mais elle retombe déjà... dans ses travers, hein, parce que cette saison, elle a explosé complètement en tirant Ekhoff, en s'améliorant notamment... elle est retombée dans ses travers. Mais voilà, c'est un peu les championnats du monde, c'est comme ça. Hein. C'est des courses différentes de ce qu'on a eu lors du mois de janvier où elle a pu enchaîner tout ça. Là, il y a un titre de champion du monde à la clé. C'est pas pareil qu'aller chercher une petite étape pour le globe. Là, il y a la pression et après bon, les conditions expliquent aussi son échec, mais. Mais il faut aussi être là dans la tête. Quoi. Comment on s'entraîne justement pour, comme c'est le cas pour Marthe Holbu Roseland, là comme ça, on fait l'impasse sur des épreuves. En quoi c'est mieux de faire l'impasse pour aller s'entraîner toute seule? Ouais, ça permet peut-être de se focaliser vraiment sur un objectif et de pas s'éparpiller, quoi. Parce que quand on voit, en gros, elle est un tout petit peu distancée à la course au globe, donc. Elle avait tout intérêt à se reposer, à être vraiment fraîche à 100% pour cet objectif-là. Ouais. Puis franchement, pour l'instant... En tout cas, ça a payé, hein, puisqu'elle a remporté ce sprint femme, la Norvégienne, l'une des meilleures biathlètes. Comme on l'explique régulièrement, le fait de gagner ce sprint, elle va partir avec du temps d'avance pour la poursuite. Voilà. Et du coup, ça va la placer à favorite. On regardera les codes tout à l'heure, mais elle est déjà favorite d'une autre course. Donc, Parce qu'on rappelle le concept, effectivement, la poursuite, c'est par rapport au temps qu'il y a eu dans le sprint. Forcément, c'est important d'être bien placé, comme c'est le cas avec cette victoire hein, dans ce sprint de Marthe Roseland. On l'a dit, hein, beaucoup de favoris qui passent à côté, beaucoup de surprises. Et il y en a une belle surprise, c'est la deuxième place de l'américaine, hein, Sarah Dunkley. Suzanne Dunkley, pourquoi je l'appelais Sarah, je ne sais plus. Suzanne Dunkley, 34e, et on a vu des belles images, je vous invite à aller revoir peut-être si vous pouvez mettre la main dessus. Elle était dans l'effort, il y a un moment on a cru qu'elle allait tomber, elle a tout donné pour finalement arracher cette deuxième place à 34 ans. C'est vrai que c'était quand même des belles images. Hein. Ouais, c'était assez fou, c'est une biathlète qui est là depuis un bon moment. Elle est sortie, donc elle a fait le 10 sur 10, contrairement à Holzbou qui a fait 9. Je ne vais pas dire bêtises, mais je crois que c'est son 6e ou 7e podium seulement de sa carrière. Hein. Ouais, c'est une athlète qui a toujours été là, mais qui n'a jamais explosé vraiment, qui n'a jamais été dans les tops mondiales. Et là, elle sort du deuxième tir avec une quinzaine de secondes d'avance, même peut-être plus, sur Holzbou. Elle donne tout, parce qu'elle savait que, aujourd'hui, en tirant à 10 sur 10, c'était presque podium assuré et elle pouvait gagner et elle a vraiment tout donné et dans la dernière montée elle a complètement explosé et finalement elle termine deuxième. Et puis tu l'as dit, on l'a vu avec ses conditions, il y a eu beaucoup de vent à un moment sur la piste effectivement, si tu faisais 9 ou 10 sur 10 c'était le podium quasiment assuré. Hein. C'est ce je crois qu'il y a eu à peine 10 sur 10. Sur une centaine de participants, donc c'est vraiment... Mmh. Et notamment chez les favoris. Il y en a une bonne vingtaine, quoi. Donc, effectivement. Alors du coup, on va voir, ça a fait quelques émules au niveau des parieurs. Forcément, qui dit surprise, dit bon coup à tenter. On va commencer par une mise. Là, c'est sur la favorite, enfin l'une des favorites, mais c'était tout de même une cote à 8 pour la victoire de Marthe Roseland. Cote à 8, c'est une belle cote, hein, quand on sait qu'elle s'est vraiment concentrée sur ses championnats du monde. 114,50 euros misés par Drumike, ça lui permet de remporter 916
euros, fallait les mettre quand même, cette somme. Hein. Fallait les mettre, surtout que bah, sur les courses de féminines, c'est très ouvert, donc on a tout de suite des grosses cotes. La favorite, on a dit, c'était Thierry Lecoff, elle était déjà à 4. Mmh. Donc une grosse cote. Déjà, ouais. C'est déjà assez haut, quoi. Et là, Holzbou, je pense qu'elle était... Elle était beaucoup misée ou pas, Holzbou, Rosalie Avant la course, non, moins. Il y avait plus sur Ekoff, par exemple. Ouais. Et je pense aussi sur Vireur. Mais voilà, c'est bon, bravo à Drum Mike. Ouais, effectivement, voilà. Autant sur une cote à 8. Ouais, c'est boulevard. Effectivement, on a du top 6 également, on va le voir. Hein. C'est un pari qui est assez intéressant. On en parle souvent des top 6 et des top 3. À prendre. Là, en l'occurrence, c'est l'Ukrainienne Pidrushna qui a terminé quatrième de ce sprint. Grosse surprise, puisqu'on peut voir sa cote top 6 était à 12. Ouais, bah, le fait que bah, des biathlètes comme Ekoff aient terminé loin, ça ouvrait aussi les portes au top 10, au top 6 et au podium. On l'a vu avec Dunkley, on le voit avec Pidrushna sur le top 6. Donc voilà, il y a beaucoup de biathlètes, mais il faut savoir faire les bons pics et... Il y a aussi des cotes intéressantes pour les top 6, donc il faut aller fouiller. Et puis on en parlait, hein, cette surprise avec la deuxième place de Suzanne Dunkley. Bah, figure-toi qu'il y a une personne seulement qui avait misé sur un podium. Tu as cherché effectivement, tu as dégoté tout de même ce pari proposé par Urioz. Il avait tenté le podium. Alors il a mis 20 centimes effectivement, mais il n'y a pas de petit gain. Il a mis 20 centimes, mais c'est la plus grosse mise. Donc, c'est la plus grosse mise, c'est la seule mise sur ce podium de Suzanne Dunkley. Voilà, c'est pas coup de génie. Comment ça se fait ça... C'est la cote qui l'a attiré, peut-être l'attrait de la cote. Sûrement la cote. Puis voilà, après, il mise 20 centimes et il a le droit de miser 20 centimes. Si ça bankroll et c'est bah, ça lui permet de remporter 8 euros. Quand écoute, tu mises 20 c'est pas centimes mal. Et que tu gagnes 8 euros, bah, t'es content. Il va pouvoir faire plusieurs paris de ce type maintenant, désormais, notamment sur ces. Il va se faire plaisir ce week-end. Mon Dieu, on va désormais parler du relais mixte qui s'est déroulé hier. Hein. Aujourd'hui, c'était le sprint femme. Avec la Norvège hein, qui a gagné. Bon, ça, c'est pas une surprise, ils sont vraiment très forts. Hein. Je voyais ça dans le chat, je sais plus qui disait effectivement que les Norvégiens sont extrêmement forts. La Norvège qui conserve son titre mondial dans cette épreuve et des Français qui sont passés à côté, là encore, hein, on peut le voir. Ils sont pas sur le podium, les Français, hein, grosse déception. La Norvège qui l'a emporté devant l'Italie, ça on pouvait s'y attendre. Hein, les Italiens qui sont à domicile, ils étaient motivés par ce relais mixte. Et la République tchèque, petite surprise, on peut le dire, hein, pour les Tchèques, ça reste une bonne nation quand même. Ouais, ça reste une bonne nation du biathlon depuis des années. Mais surtout, il y avait un très beau duel presque jusqu'au dernier tir entre les Norvégiens et les Italiens. Les Italiens, ils ont deux filles très fortes que sont Vireur et Vitozzi. Donc elles ont bien assuré. Bon, les Norvégiens, c'est très complet. Mais même Dominic Vindisch, qui est sûrement le point faible de cette équipe d'Italie, il a bien résisté à Johannes Bö. Il a fait son travail. Ouais, il a fait son travail et ça s'est joué à peu de choses. Je crois que l'Italie a tiré une balle, enfin a fait une faute de moins que les Norvégiens. Donc, ouais, et puis après, bon, bah, les Français. La France qui passe à côté, effectivement, dans ce relais mixte. Ils terminent à 1 minute 08 de la Norvège. Hein, ils finissent 7e. Ouais, les Français, alors le temps. Seulement, le temps, c'est pas très important. Le temps et la place, en fait, c'est pas si important que ça parce que tout s'est joué lors du premier relais. Allez, les deux premiers relais, mais surtout le premier. Qui a fauté du côté de la France? On veut des noms. Ouais. Bah, c'est Juliette Simon. On le sait, c'est les filles hein, plutôt qui ont eu du mal. Ouais, bah après. Elle commence, donc forcément, derrière... Un peu plus de pression quand tu commences? Bah, je sais pas s'il y a plus de pression, mais en tout cas, après, il n'y en avait plus sur Martin et Quentin. Oui, parce que c'était quasiment plié. Voilà. Si la France était passée première après les deux premiers relais, bah, ça se trouve, ils auraient subi plus la pression. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais ouais, Julia Simon qui fait tout de suite un tour de pénalité. Il faut savoir, en relais, on a 5 balles dans le chargeur. Et on a le droit à 3 fautes, 3 pioches. Et après, si on loupe ces 3 pioches et qu'il manque encore des cibles à tomber, on fait des tours de pénalité. Et ça coûte vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et quand on en fait un dès le premier relais, bah voilà, c'est fini. Ouais, c'est quasiment l'assurance de ne pas terminer sur le podium. La France termine 7e derrière l'Allemagne, notamment l'Ukraine ou encore la Russie. Ouais, après, ça s'est bien déroulé pour Martin et Quentin, mais... Le mal était fait. Ouais, le mal était fait et je pense qu'ils n'ont pas donné tout sur les skis parce qu'ils savaient que la médaille était trop dure à aller chercher et il y a des grosses échéances ce week-end. Donc bon,
il faut pas tirer de conclusion sur la course des garçons. Quoi. Il y aura d'autres relais hein, durant ces mondiaux. Ouais, il y aura un relais mixte single, ce qu'on appelle. C'est quoi la différence du coup? Alors là, le relais mixte qu'on a eu hier, il y a donc deux filles qui partent dans les deux premiers relais. L'ordre est imposé, on ne peut pas choisir. Hein. Non, on ne peut pas dire, par exemple, Martin Fourcade partir en premier, etc. Comme on le voit dans l'athlétisme ou en natation. Ouais. Ouais, c'est ça, en natation. Et donc deux filles, puis deux gars, alors que le single mixte, c'est une fille qui part, ensuite un garçon, et la même fille repart et le même garçon entre. Donc c'est un relais avec seulement deux biathlètes. D'accord. Et voilà, c'est en équipe, quoi. C'est vraiment un peu le binôme. C'est en équipe de deux, ouais, voilà, c'est ça. On peut placer combien de binômes par nation? Un seul, il faut choisir. C'est comme. C'est... Donc qu'est-ce qui fera la décision? Peut-être c'est la forme du moment À voir si. Il y a quand même beaucoup de biathlètes en France. La forme du moment, mais surtout à voir si Martin veut le faire, si Justine Breza veut le faire. Oui, la motivation aussi par rapport aux autres épreuves. Martin a peut-être plus intérêt à se concentrer sur des épreuves individuelles. Voilà, mais bon, il y a tellement un niveau homogène chez les garçons que peu importe, j'ai envie de dire, qui fera la course, on aura une équipe compétitive. Et je pense que Julia Simon et Justine Breza, qui sont jeunes, une des deux le fera parce qu'elles ont envie de titre. Et... Ouais, il y a des... peut-être l'occasion effectivement d'aller chercher un. Ouais, je un vois titre. Bien Quentin avec Justine par exemple, ou des choses comme ça. C'est pas mal. Sur le papier en tout cas, moi ça me fait rêver. On va regarder les gagnants sur ce relais. Alors pas beaucoup de gagnants. Pourquoi? Enfin, il y a eu des gagnants. Mais pas de grosses cotes en tout cas, parce qu'on l'a vu, hein, les favoris qu'ont gagné, la Norvège notamment, l'Italie qui s'est placée sur le podium. Donc c'est vrai que c'était compliqué d'aller se trouver des grosses cotes sur cette épreuve, mais tout de même, la République tchèque podium, ça a permis de remporter quelques euros. C'était une cote à 4, on va le voir, ça a été joué notamment par Jop Nell qui a misé 100 euros sur cette cote à 4. C'est bien comme cote ça, la République tchèque, je ne me rends pas compte. Ouais, bah, fallait aller. Les favoris pour le podium, c'était la Norvège. L'Italie et la France. L'Italie et la France, ouais, surtout. Après, il y a aussi l'Allemagne qui est toujours là. Et la République tchèque, venait un peu derrière. Mais ouais, fallait la tenter, la cote à 4. Bien joué. 100 euros en plus. Effectivement, en tout cas, ça donne quelques idées. On vous donnera tout à l'heure des pronostics. Il y a beaucoup de cotes à tenter. On va le voir avec toi dans un instant. Avant cela, on va recevoir en direct Robin Duvillard, on le rappelle, hein, fondeur professionnel, spécialiste de sports d'hiver, notamment de ski de fond, mais qui s'intéresse également au biathlon. Il est en direct avec nous depuis le Canada. Robin, est-ce que tu es là, Robin? Ouais, salut à tous. Salut, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Là, c'est plutôt très, très froid ici au Canada. Là, il est moins 24 ce matin, donc ça pique un peu. Ah oui, effectivement. Mais ils sont habitués là-bas, je crois. C'est pas comme en France. Nous, on est un peu frileux en France. Plus du tout habitués. Là. Ouais, toi, tu ne l'es plus, effectivement. Alors, c'est au Canada, tu disputes une course là-bas? Comment ça se passe? Ouais, il y a la Gatineau Lopette là, dimanche. Et après, je pars aux États-Unis faire l'American Birky. Donc, c'est deux courses de 50 km. C'était une petite envie après ma carrière vraiment internationale d'aller faire des courses. D'aller faire des courses comme ça, découvrir un peu d'autres univers. Et pour l'instant, c'est plutôt cool. Alors, tu nous appelles d'où hier? On a fait un petit test, tu étais dans des toilettes d'un bar, tu m'as dit, tu m'as confié. Effectivement, est-ce que tu peux activer la vidéo? Est-ce que c'est possible pour voir un peu où t'es? Ouais, je peux. Si ça te dérange pas, bien entendu. Normalement, c'est bon. Ah, voilà, on te voit, parfait. T'as quitté ton bonnet, t'avais un joli bonnet. Oh, c'est joli où t'es là. J'ai quitté le bonnet. Ouais. Voilà, c'est la vue depuis la maison et avec pas mal de neige et surtout vraiment froid ce matin. Parfait. Est-ce que tu peux juste tourner ton téléphone comme ça on t'en rend plein écran, ce sera plus confortable pour tout le monde si ça te dérange pas. Voilà, c'est parfait. Allez. En grand écran, effectivement, joli le paysage là, BNP, comme on l'a vu là. Ouais, ça a l'air sympa, hein, franchement. Tu découvres de beaux paysages en même temps que. Des beaux événements. Ah ouais, là, ça fait plaisir. C'est incroyable. C'est le parc de la Gatineau. Il y a 300 km de piste. Donc, j'aurais pas le temps une semaine de tout faire. Et c'est quoi comme type de course exactement? Tu peux nous expliquer? Là, c'est 50 km. C'est des courses populaires que tout le monde peut faire. Et voilà, c'est typique comme la tranche jurassienne qu'on peut avoir en France, la foulée blanche ou la vase à l'opette qu'on peut trouver en Suède. On n'est pas dans l'épreuve professionnelle. Hein. C'est une épreuve ouverte à tous. Voilà, c'est une épreuve ouverte par tous. Il y a différentes vagues en fonction du niveau, on va dire. Mais du coup, c'est des courses très, très sympas parce qu'on a l'occasion en ski de fond d'avoir ce genre de compète où
on va dire, le skieur du dimanche peut skier avec des athlètes de tout niveau, voire de très très haut niveau. Donc c'est quand même une chance dans ce sport. Donc, puis l'ambiance est quand même assez géniale. Puis ça permet de faire un peu d'autres choses que tourner en rond autour d'un stade comme en Coupe du Monde. Donc, et tu as des ambitions après, pour la course particulière ou c'est juste pour le plaisir et... Non, là, pour l'instant, j'ai encore du mal à me dire d'aller faire les courses pour le plaisir. Enfin, même s'il y a du plaisir dans la course, effectivement, mais là, le but, c'est de venir pour gagner. Okay. Donc voilà, l'ambition est toute simple. D'accord. Bah, écoute, t'es venu tout seul ou t'es accompagné, là, t'as des copains ? Je suis venu tout seul, ouais. Je suis venu tout seul et après, c'est Rossignol qui s'occupe de moi et qui me met un staff au Canada et aux États-Unis. Donc voilà, c'est plutôt bien organisé, mais... C'est une initiative personnelle. Ok, okay. Bah, sympa, effectivement. Est-ce que tu as suivi un peu ces mondiaux d'Antols ? On en parlait de biathlon il y a un instant, Robin. Tu as pu suivre un petit peu ce qui s'est passé ou pas ? J'ai pas regardé les images, mais j'ai bien suivi les résultats. Et effectivement, c'est pas trop. Il y a des surprises, mais en même temps, c'est pas des grandes surprises parce que les grands événements, c'est souvent ça. Les favoris, c'est pas. Là, c'est les courses d'un jour. Et puis. Et puis, y a quand même beaucoup d'enjeux. C'est la première course pour rentrer dedans. Et puis, ils ont cette particularité en biathlon, c'est qu'il y a aussi les championnats du monde qui comptent dans le classement général de la Coupe du Monde. Ouais, les points comptent, donc, effectivement. Avec l'histoire du maillot jaune et tout. Et il y a quand même... en fait, il y a deux chevaux un peu à courir en même temps. Et c'est pas toujours évident. Et on voit aujourd'hui une Ekhoff qui passe complètement à travers alors qu'elle... Ouais. Elle survolait le mois de janvier et puis elle a perdu gros aujourd'hui parce que sprint plus poursuite et voilà, des fois il faut prendre des risques pour aller gagner le titre, mais trop de risques peut aussi faire perdre l'objectif sur l'année, donc c'est voilà, ça peut en inhiber certains et au contraire ça fait le jeu de ça fait parce que là, le podium fallait sortir aujourd'hui, je pense. C'était des grosses cotes, Robin, hein. C'était des très grosses cotes. Quelques-uns avaient parié, notamment sur il y en a un qui a parié 20 centimes sur Dunkley. Le podium de Dunkley, c'était une cote à 40, effectivement. C'est beau, faut le mettre. Après elle sort pas non plus nulle part, elle a déjà fait le coup, hein, il y a deux ans au Mondiaux, elle fait une médaille. Donc, après, sur un sprint, c'est quand même autre chose. Mais faut... Justement, comment... Fallait le jouer, c'est beau, 20 centimes. Comment tu sens l'équipe de France, toi, justement, sur ce niveau mental ? Je ne sais pas si tu connais personnellement les filles qui ont couru aujourd'hui, mais... l'entraîneur sur la chaîne L'Équipe. Il était un peu agacé, effectivement. Un peu agacé, on avait l'impression que c'était un peu le mental qui avait failli, quoi. Parce que, comme je le disais, ils ont fait 3e et 4e temps de ski, donc c'est top. Mais on a l'impression que mentalement, c'était pas fou, quoi. Ouais, alors, effectivement, pour répondre à la première question, oui, je les connais tous et toutes pour l'instant, parce que c'est pas encore trop les nouvelles générations, donc c'est des gens avec qui on est très très proches. Et alors ça s'explique, oui et non, je pense qu'aujourd'hui elles sont passées quand même un peu à travers, effectivement il n'y a pas trop eu je pense qu'ils espéraient quand même vraiment mieux. Après c'est le début des championnats, je pense qu'il faut différencier les filles un petit peu entre elles, parce que je pense que finalement Célia elle fait plutôt une course correcte. Ouais, c'est vrai. Les autres passent un peu... Elle fait 15e, ouais, et puis je pense pas qu'elle soit dans sa meilleure saison cette année, et on l'a, c'est pas celle qu'on attendait le plus, quoi. Après, il faut voir que cette équipe, à part Anaïs Bescon, elles sont quand même relativement jeunes, et il n'y a pas une vraie leader, en fait, il n'y a plus vraiment ça, une fille qui va vraiment prendre toute la pression, et qui a suffisamment les épaules pour les prendre, en fait, parce que... comme on avait une Marie Dorin avant, ou peut-être d'une leader, même si elle aimait pas trop ça, ou une Sandrine Bailly avant, ou comme un Martin Fourcade aujourd'hui, c'est chez les gars, c'est ça, c'est-à-dire que les autres dans l'ombre, ils peuvent vraiment se éclore un petit peu et se détacher de cette pression. Chez les filles, c'est un petit peu particulier parce qu'on attend un peu tout le monde et on attend personne. Une Justine Breza, j'ai l'impression que plus tu l'attends, moins elle claque. Et dès que tu l'attends plus, elle va. En même temps, si ça se trouve, là, j'ai l'impression qu'elle a le charisme pour être vraiment une leader comme l'était, tu disais, Sandrine Bailly ou même Martin aujourd'hui, quoi. Enfin, on ne sent pas chez elle ça, quoi. Je pense pas qu'elle ait envie de ça, en plus. Je pense pas que ce soit, du moins, l'environnement dans lequel elle s'épanouit.
au contraire de, je pense qu'une Célia pourrait avoir les épaules, mais elle n'a pas juste le, il manque le palmarès peut-être. Et puis le, elle vient du ski de fond. Hein, en 2015, elle courait encore avec moi en ski de fond sur la Coupe du Monde. Donc voilà, une Anaïs, bah, c'est aussi la fin de la, voilà, elle est sur la, peut-être la fin de sa carrière, on va dire. Mais c'est pas forcément celle-là qu'on attendait. Je pense que les gens se focalisent beaucoup sur Justine. Et elle n'est pas trop là-dedans. Après, voilà, aujourd'hui, elles se sont ratées. Bon, elles se sont ratées déjà au sprint, au relais mixte. C'est jamais facile de démarrer les mondiaux. Et dans l'équipe, c'est toujours plus simple quand il y a une partie de l'équipe qui attaque avant les autres. Donc là, c'est un peu plus facile pour les gars. Et puis, bah, les filles, pareil, hein, sur le relais, c'était elles qui lançaient le truc. Et bah, finalement, quand t'as la grosse pancarte sur le dos, puis derrière, t'as un Martin. T'avais un Quentin derrière qui sont numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Ah, c'est sûr que. Y a quand même une pression supplémentaire qui est pas facile à gérer, et peut-être que ça c'est l'enjeu aujourd'hui de l'équipe de France de faire en sorte que cette équipe féminine soit un petit peu plus protégée dans par rapport aux gars quoi qui eux aujourd'hui ont commencé à avoir une très grosse habitude de la médiatisation quoi. Ouais, justement demain la course donc le sprint homme. Comment tu le sens bon, on sait que... Johannesburg est ultra favori. Ouais, bien sûr. Ouais, alors, chez les gars, c'est une course complètement différente parce qu'il y a vraiment des leaders très, très affirmés qui sont Johannes et Martin. Au vu des conditions, franchement, à part gros accident, c'est un des deux qui va gagner. À part si vraiment il y en a un des deux qui se rate, mais je pense que Johannes, à partir du moment où il va mettre les 10 balles, il va être très très dur à aller chercher. Même 9, il peut gagner. Après, ouais, je pense que sur Anter Selva, oui, parce que bah, finalement il s'est reposé aussi, même s'il a eu alors il y a la dimension, il y a le facteur paternité qui peut être à prendre en compte, mais là, vu la démonstration qu'il a fait en rentrant, ça a l'air d'aller. Et en fait, il y a aussi le facteur altitude. Ils sont à 1600 mètres. Les biathlètes ont moins l'habitude de courir haut comme ça. Enfin, c'est juste chaque année à Anter Selva. Et je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les temps de ski sur le sprint des filles. Ouais. Et généralement, celles qui sont parties très vite, elles ont fait que perdre au fur et à mesure de la course. C'est-à-dire que leur premier tour est rapide. Elle a fini, elle a failli tomber même tellement elle était morte. Ouais, voilà. Bon, après, elle, c'est différent parce que c'est vraiment pas sa force. Enfin, c'est pas que c'est vraiment pas sa force, c'est pas dans les meilleures skieuses. Ouais. Par contre, on prend une Fialkova qui est partie, qui fait le meilleur temps. Derrière, ça a été un long calvaire. Elle fait le 40e. Et on la voyait gagner d'ailleurs, à un moment. On l'imaginait gagner, ouais. Fialkova. Ah, elle avait Et ouais, ouais, elle était boostée en plus par la médaille. Et puis voilà. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est en altitude, tous les efforts se payent bien plus cash. C'est-à-dire que la récupération, on l'a plus. Donc, dès qu'on va mettre un à-coup, derrière, on va le payer x2, x3. Quoi. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est des gens qui, aujourd'hui, donc des très bons skieurs, et ceux aussi qui vont avoir tendance à bien finir les courses. Parce que celui qui va finir assez, qui a du mal, des fois, à finir les courses à 300 mètres d'altitude, comme à, je sais pas, à Östersund, à Antol, ça va être encore pire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de France a vraiment 4 atouts, on va dire, les 4 peuvent aller faire une médaille. Ça peut être le jour de Simon Détieu, qui a vraiment cette habitude de finir les courses plutôt bien. Donc voilà, après, ça peut claquer de partout. Mais on va dire que c'est vraiment un match France-Norvège. Ouais. Et avec la petite incertitude de sortir un Allemand, comme ils savent très bien le faire sur les jours J. Ils l'ont fait en 2017, ils l'ont fait en 2018. Voilà, c'était un coup d'Oll, un coup Pfeiffer, là, qui avait surpris tout le monde sur le sprint. Voilà, je pense qu'il y a une petite incertitude sur le sprint et après, voilà, le reste des courses, dès la poursuite, ça va vite rentrer dans l'ordre et chaque chose en son temps. Johannes Bø est effectivement bien le favori, mais ouais. On verra ça. Mais écoute, merci Robin d'avoir été avec nous. On rappelle qu'on peut te retrouver régulièrement durant la saison sur Eurosport, toi, à commenter. Hein. En tout cas. Exactement, sur le ski de fond par contre du coup. Oui, sur le ski de fond, bien entendu, ta spécialité. Ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on en reparle, on reparlera un peu plus de ski de fond avec toi à l'occasion, lors d'une prochaine émission, si tu le veux bien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Robin Duvillard. On rappelle un médaillé à Sochi en 2014, grand athlète français également.
On avec va plaisir. À bientôt. Bon, Gamble. On va s'intéresser aux cotes, parce que là, c'est vrai qu'il nous a chauffé avec ses cotes. Avant cela, des freebets à gagner, c'est pour vous, dans le chat. Les amis, on va regarder ça, effectivement. Freebets, c'est maintenant que ça se passe sur winamax.tv. Hein. Si vous êtes sur YouTube ou Molotov, répondez à cette question. Vous tapez point d'exclamation quiz suivi de la réponse. On vous demande qui a été la meilleure française dans le sprint de ces mondiaux. On en a parlé tout à l'heure, la meilleure performance française, si on peut appeler ça performance en tout cas. Le meilleur classement français dans ce sprint femme, c'était cet après-midi. Allez, c'est l'heure de la pioche. Eh oui, Robin qui nous disait les coups à tenter, effectivement, Simon Desio. On va regarder hein, ses cotes sur le sprint 10 km, ça se passera samedi, demain finalement, parce qu'on est déjà vendredi, la semaine passe vite, BNP, tu vois, je ne sais même plus quel jour on est. On parlait des favoris, on va afficher leurs cotes, Johannes Beu et Martin Fourcade, 1,75, 6 pour Fourcade, c'est très déséquilibré comme rapport, je trouve. Ouais, il y a quelques semaines encore, on aurait pu imaginer que ça aurait été plus serré entre les deux. Ouais, mais là, la dernière épreuve de Paul Juka a vraiment montré que Johannes Beu était vraiment bien plus rapide que Martin Fourcade. Et sur une épreuve comme le sprint, bah, c'est très, très important d'aller vite. Et donc voilà, comme on disait avec Robin, je pense que même s'il fait une seule faute, il peut gagner, sauf si Martin fait 10, mais... Même ça, je pense qu'il peut le faire. Donc voilà, c'est ce qui explique sa cote assez basse. Alors, Robin nous conseillait pourquoi pas de tenter un Simon Détieu, le Français qui est coté à 25 pour la victoire. Ça, c'est une belle cote, ça. Attends. Ouais, c'est pas mal. Après, je sais pas si t'as sa cote podium aussi, qui est peut-être aussi intéressante. Mais ouais, 25, franchement. Elle n'est pas encore sortie, hein, si j'ai pas dit. C'est pas si mal. Après, comme a dit Robin, pour... gagner demain quand on s'appelle pas Martin Fourcade ou Johannes Beu, bah il faut simplement qu'un des deux passe à côté quoi, même les deux. Donc c'est risqué, c'est là aussi le risque. C'est ce qui explique la cote de Simon Destieux, mais on a vu qu'aujourd'hui avec Kirill Ekhoff, des gros pouvaient passer à côté, donc pourquoi pas tenter ce genre de cote. Effectivement, cote à 25, c'est le gros coup, pourquoi pas, et on a une cote boostée sur cette épreuve, une cote boostée qui porte sur un Français justement. BNP, un Français vainqueur, c'est-à-dire que ça peut être Destieux comme c'est Fourcade, ça englobe tous les Français. Comme Guillaume Maillet qui est troisième favori de la course. Oui, dont la cote est à 9, hein, je ne l'ai pas affiché. Effectivement. Voilà, c'est ça, donc c'est une belle cote parce que vous jouez sur plusieurs tableaux, ça permet de vibrer en plus tout au long de la course, parce que les Français donc, en sprint, on part à intervalles réguliers, donc pendant 1h30, 2h, on vibre tout le temps, donc c'est assez cool comme cote. Et puis ça peut permettre, pourquoi pas, de tenter d'un côté, on peut imaginer par exemple en plaçant 20 euros sur Johannes Beu, 10 euros sur cette cote boostée, d'être gagnant si soit Johannes Beu gagne ou voilà, si un Français l'emporte. Non, mais il y a des petits calculs à faire. Quand on est parieur, en tout cas, il y a des coups à tenter. On parlait de la poursuite suite au sprint, les cotes sont sorties. BNP, on va aller découvrir ces cotes-là. Là, je suis parti chez les garçons. Encore, hop, la poursuite. Et pourquoi j'ai pas les bonnes cotes de la poursuite? La poursuite femme. Ouais, eh ben écoute, figure-toi, nos amis traders ont fait une petite erreur. Ils ont mis publié les cotes du sprint homme dans l'onglet poursuite femme. On va leur tirer les oreilles. Je les ai. Tu les as? Ouais, okay. Dans poursuite femme. Ouais, bah, écoute, moi, je les ai pas sur mon PC. Tac, tac, tac. Et du coup, on a, comme prévu, Marthe Holzbou qui est favorite de la course à 1,70. Comment ça se fait? C'est vraiment un gros avantage d'avoir gagné le sprint. Je les ai. Bon, parfait. Heureusement, la Norvégienne qui a gagné ce sprint, effectivement, côté à 1,70. C'est intéressant de cliquer là-dessus ou pas? Moi, j'aime mieux la deuxième favorite qui est Denise Herrmann, qui a été vraiment très rapide aujourd'hui. Elle a l'air vraiment en forme. Voilà, je suis plus adepte des grosses cotes personnellement, mais. Oui, après, forcément, Holzbou, elle part avec de l'avance, mais moi, j'aime bien la petite cote de Niserman. Plus que celle de Virer, etc. Donc, Effectivement, les deux Italiennes, cotées à 10 et à 12 dans cette poursuite qui se déroulera dimanche. Voilà, ça annonce un gros week-end, en tout cas, de biathlon, des cotes à tenter. On vous rappelle la promotion également, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 50 euros
en misant sur ces mondiaux d'Antholz. Et puis cette cote boostée, à tenter, on la rappelle, un Français qui remporte le sprint de demain, côté à 4, au lieu de 3. On a aussi plein de paris spéciaux à aller voir. Ouais. Johannes Bø gagne les 4 courses, pareil pour Martin, etc. Ouais, on peut faire son marché, effectivement, dans les cotes. En tout cas, jeu blanc, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve à lundi pour une émission exceptionnellement avec toi, Ben. Voilà, on pourra faire le point justement sur ce sprint homme et sur la poursuite femme. Il y aura d'autres épreuves, il y aura beaucoup de choses à dire. Les deux poursuites même. Donc pour ceux qui s'intéressent. Les deux poursuites ont lieu dimanche. Donc, effectivement, donc rendez-vous lundi en fin d'après-midi pour la prochaine émission de Jeu Blanc. Jeu Blanc, c'est terminé. Restez avec nous puisque dans un instant, sans filet et sans alcool. Aujourd'hui en tout cas, avec Marie et ses deux acolytes.